Passionnés de vallée de course au large, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler des 1000 milles des sables, qui n'est pas encore fini, donc on va en parler, et on en reparlera du coup dans une semaine puisque c'est pas encore fini. Dans un deuxième temps, on va parler de la route du Rhum, puisqu'il y a eu des actualités, on va parler de ça. Et enfin, on parlera des remises à l'eau, il y a plusieurs bateaux qui sont mis à l'eau, des classes 40 et des Imoca. Je parle pas de la grande classe, vous savez, les grands bateaux. Vous savez que je la boycotte pour l'instant, tant qu'on ne sait pas ce qui va advenir de François. Donc pour l'instant, je ne parle pas de cette classe. Je vous ai dit que j'en parlerai pas, donc j'en parle pas. Même s'il y a un bateau qui a été remis à l'eau, mais je n'en parle pas dans l'actu. Voilà. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours à partir de 17h, sauf le mercredi et le samedi, sinon je suis en live tous les jours. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, le lien de la chaîne Twitch est en description de la vidéo. Et du coup, on commence tout de suite avec les 1000 milles des sables. Et donc on commence par les 1000 milles des sables, où malheureusement c'est une course très compliquée, avec des problèmes, même peut-être des problèmes de sécurité je trouve. Enfin, c'est pas de la faute des organisateurs, hein. C'est juste que voilà, on le savait, il y avait un bateau qui avait perdu des planches de bois dans le golfe de Gascogne. Et donc ça a amené des problèmes de sécurité. Donc on voit le départ du coup des. Alors je suis obligé de le faire à la main parce que ça va sinon beaucoup trop lentement. Donc le départ des Ocean 50 avec les petits doudous qui partent vers le large, sûrement un problème. Ça descend par la suite par le sud. Belle bataille au début entre les classes 40. Même chez les Ocean 50, hein, les 4 premiers se battent bien. Les petits doudous qui est largué. Et malheureusement, du coup, comme à cause justement des morceaux de bois, des planches de bois, certains ont décidé de ne pas prendre plus de risques que ça pour pas endommager le bateau. Parce que s'ils endommagent trop le bateau, bah, y a un risque de ne pas pouvoir participer à la route du Rhum. Donc, par exemple. Primonial, le premier, décide d'abandonner cette course pour ne pas endommager plus le bateau. On a Coesio, pareil, qui rentre au port, il me semble, pour la même raison. Derrière, on a la belle bataille entre les classes 40, donc ils sont déjà plus que 3 à ce moment-là chez les Ocean 50. Belle bataille chez les classes 40, il y en a qui sont un peu largués, mais à l'avant, ça se bat bien. Vous allez voir que ça se bat jusqu'au bout. Malheureusement, l'abandon de la boulangère bio Amélie Grassi, qui a eu des problèmes de spi, qui a eu plein de petits problèmes, donc qui a malheureusement dû abandonner. On voit les petits doudous qui est encore en course à ce moment-là, on va parler plus tard de son problème. Les classes 40 qui continuent à se battre, on va voir à l'heure actuelle qu'ils sont toujours en train de se battre, à l'heure où j'enregistre, hein, puisqu'à l'heure où j'enregistre, c'était les midi 19. L'arrivée sur la bouée au large de la Corogne pour les Ocean 50, il y a un peu d'écart à ce moment-là, un petit peu d'écart, et malheureusement on va voir les petits doudous qui va s'arrêter, voilà, les petits doudous qui s'arrêtent net. Chavirage pour Armel Tripon, il m'a bien fait flipper encore. Il a été détruit, donc c'est une bonne nouvelle. Le bateau a été récupéré, remis à l'endroit à la Corogne, puis convoyé. Il est en ce moment même en train d'être convoyé vers la Bretagne. On espère qu'il n'y a pas trop de dégâts. Bon, le mât est cassé, mais on espère que le reste ça va. On espère vraiment que le reste ça va et qu'il pourra quand même se qualifier pour la route du Rhum, parce que c'est quand même le tenant du titre. Et ce serait dommage de ne pas voir Armel Tripon sur cette route du Rhum. Derrière, chez les Cascantes, ça continue à se battre. Hop. On va quand même continuer à suivre les Ocean 50, même si la bataille est pas très serrée, hein. Derrière, il s'est assez loin l'un de l'autre. Même s'il faut rappeler que Eric Perron, c'est. Donc Eric Perron qui est ici là. C'était sa première course avec son bateau. Donc voilà. Alors que Sam Goodchild a déjà fait plusieurs courses. Sam Goodchild d'ailleurs qui a publié une vidéo où je parlais du coup des problèmes des morceaux de bois, des planches de bois qui sont dans l'Atlantique. Il en a tapé une. Hein. On voit une vidéo où il y a une planche de bois qui passe sur son bateau. Tu te dis que s'il était dans le passage, c'était mal barré, quoi. Donc voilà, le danger. C'est pas de la faute des organisateurs, mais voilà, c'était très très compliqué. On voit voilà plusieurs bateaux qui se sont fait un peu larguer derrière, comme Croxol par exemple, Aurélien Ducrot, mais la météo vraiment pas facile, hein, pas beaucoup de vent. Et on va voir qu'actuellement là où ils sont, à midi 10h21, vous allez voir que c'est pas beaucoup mieux, quoi. Les Ocean 50 qui arrivent, l'écart reste stable.
le passage de la marque. Toujours la bataille par contre chez les classes 40, hein. Il y a de la bataille, ça se bat. Volvo qui malheureusement abandonne. Alors un abandon. Alors d'après ce que j'ai compris, il y avait des problèmes. Pas des problèmes sur le bateau, mais des problèmes de planning et d'empêchement. Enfin voilà. Bon, pour moi, quand tu veux participer à la route du Rhum, voilà, tu vas au bout, quoi. Mais bon. Donc voilà, abandon malheureusement de Volvo. C'est dommage, c'est dommage. Et mais bon, la course a duré un peu plus longtemps que prévu, hein, vu qu'il n'y avait pas de vent. Du coup, la victoire en classe 40, en Notion 50 de Layton, donc de Sam Goodchild. Suivi par, comme il faut, donc Eric Perron, du coup les deux rescapés des Ocean 50. Et derrière, on continue à suivre, ça s'approche. Alors à petite vitesse, hein, ça avance vraiment pas vite. Il n'y a vraiment pas un vent de fou là, vous voyez, sur 24 heures 9 nœuds, mais là sur 1 heure 2 nœuds quoi. Et on va voir qu'à l'heure actuelle, c'est pire. Vous allez voir qu'à l'heure actuelle, c'est pire. Alors, s'il veut bien charger, voilà, c'est bon. Hop. Donc on voit qu'il y a des bateaux qui sont largués, bah, par exemple Pierre-Louis Atuel qui est largué malheureusement, qui est dans le groupe derrière. Enfin qui est un peu tout seul, alors qui a quand même un peu d'avance sur le dernier, mais qui est un peu en retard sur ceux de devant, donc c'est triste pour lui. C'est triste pour lui. Alors, on voit des bateaux récents, hein, le 171 par exemple, qui est un bateau récent, qui est derrière, après ce 171, c'est un bateau c'est Croxol, qui est... Ouais, qui est pas si récent, enfin si il est récent, mais ce que je veux dire c'est qu'il a quand même un peu navigué déjà. Mais bon voilà, comme je disais, la météo a vraiment pas été simple, donc ceci explique aussi cela, hein. La moindre erreur se paye cash quand il y a une météo comme ça. Et donc voilà. On va arriver maintenant bientôt à la situation actuelle, on va y aller à la situation actuelle, voilà. On a la situation actuelle avec les premiers qui sont en train de passer, la dernière marque à passer. Donc avec Banque du Léman ici, Keguiner, Crédit Mutuel et Project Rescue Ocean. Donc que des SCO, que des SCO devant. Voilà, c'est pour ceux qui ont encore des doutes sur les SCO. Voilà, ça c'en est encore un, ça c'en est un aussi, ça c'en est un aussi, ça c'en est un, Edenred c'en est un aussi. Enfin voilà, il y a beaucoup, ça c'en est pas par contre. Il y a beaucoup de SCO. Donc pour ceux qui avaient encore des doutes sur est-ce que le SCO c'est l'avenir, pour moi totalement. Donc voilà, le classement actuel du coup c'est Crédit Mutuel qui est en tête à 34 000 de l'arrivée, mais vu qu'ils sont actuellement aux alentours des deux nœuds, sur une heure ils ont fait 1 nœud 86. Donc autant vous dire que ça risque de pas être simple d'arriver tout de suite. Donc je sais pas si à l'heure où vous regarderez cette vidéo ils seront arrivés ou pas. Je ne sais pas encore. Donc je vous encourage à l'heure où vous regarderez cette vidéo à aller voir s'ils sont arrivés ou pas. De toute façon on en reparlera dans une semaine, donc voilà. Keguiner 2ème du coup, Project Rescue Ocean 3ème et Banque du Léman 4ème. Mais c'est hyper serré, hein. Le premier à 34,6 000 aussi, Keguiner et Noveo. 0,5 000 derrière pour Project Rescue Ocean, 0,7 pour Banque du Léman. Même si, bon, avec les vitesses, ça fait déjà pas mal, hein, mais voilà. Happy Ver est à 16 000, voilà. Après, par contre, derrière, c'est assez loin. Et du coup, les derniers qui sont... le dernier qui est le 124. Et a passé la bouée, la dernière bouée. Et par contre, c'est Vogue avec un chrone qui revient un petit peu sur ceux de devant. On va voir s'il arrive à revenir ou pas. Même si, bon, c'est des SCO devant. Hein. Même si là, dans ces conditions-là, les SCO, c'est moins... C'est moins flagrant, la différence de vitesse est moins flagrante dans ces conditions, donc à voir. Mais en tout cas, on en reparlera bien sûr dans une semaine, vu que on n'a pas vu l'arrivée des derniers, et même pas des premiers finalement, donc on reparlera des 1000 milles des sables dans une semaine dans Actu Large. Ça bouge un peu sur la route du Rhum. On a eu par exemple l'annonce de la construction d'un classe 49 sur plan VPLP pour Martin Lepape. Cela fait encore un sérieux prétendant à la victoire en classe 40. Autre annonce qui m'a bien surpris, c'est Philippe Poupon qui part en Rhum Multi sur Pierre Ier, le trimaran avec lequel Florence Artaud avait gagné la route du Rhum. Ça va être très émouvant de revoir ce bateau sur la ligne de départ. Et ce sera un bel hommage de la part de Philippe Poupon pour son ami Florence Artaud. Dernière grande actu,
car en vrai, il y en a tellement d'actu sur cette course avec ses 136 bateaux que je ne peux pas vous parler de toutes les actus. Cette actu, c'est que Pendik 3 va participer à la route du rhum en rhum mono, du coup face à mon chouchou Critère 8. Arnaud Pénarin en prendra la barre. C'est vraiment cool de voir un autre bateau de légende partir. Dommage que Critère 5 n'y soit pas. En tout cas, ces actus me donnent encore plus hâte de suivre la course. On la suivra bien évidemment très attentivement dans Actu Large. Les actus du moment font très plaisir, car pour la plupart, c'est des remises à l'eau qui montrent que la saison des courses se lance. Dans toutes les classes, on a des mises à l'eau ou des remises à l'eau. Chez les classes 40, on a par exemple la mise à l'eau de Centracor, le classe 40 tout neuf de Michael Mergui. En Imoca, Hublot de Alan Roura a touché l'eau comme le nouvel apicile de Damien Seguin. MACSF de Isabelle Josque a aussi touché l'eau après quelques modifications, notamment d'étrave. Apizia de Charlie Dalin a lui aussi retouché l'eau et a même renavigué. Enfin, Louis Burton a lui aussi remis son bureau valet à l'eau. Les remises à l'eau vont continuer à s'enchaîner, avec par exemple un que j'ai très hâte de voir. C'est le bateau de Fabrice Amedeo avec ses nouveaux foils, ou encore celui de Manuel Cousin avec sa nouvelle déco et sa nouvelle casquette. Ensuite, arrivera les bateaux neufs qu'on découvrira complètement. Hâte de voir les choix faits. L'actu des mises à l'eau va continuer à être riche, et ce n'est pas pour nous déplaire. On en reparlera bien évidemment dans Actu Large. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, petit appel au sponsor. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, on n'hésite pas à aller aider les skippers qui sont toujours en recherche de budget. Ils sont encore quelques-uns qui ont déjà des bateaux ou pas encore de bateaux. Et il n'y a plus beaucoup de bateaux à vendre. Je crois qu'il en reste quelques-uns, mais pas énormes. Donc n'hésitez pas à aller aider les skippers si vous pouvez, si vous le souhaitez. N'hésitez pas à y aller, c'est très important. C'est maintenant qu'il faut le faire. Donc n'hésitez vraiment pas, voilà. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et comme d'habitude, si vous voulez me venir sur Twitch, je vous l'ai dit au début, hein, à partir de 17h, tous les jours, sauf le mercredi et le samedi. Voilà, du coup, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Teoria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde, ciao.